Salut tout le monde, c'est Jojo44 Gaming en compagnie de Origine Renette. Donc aujourd'hui, comme prévu, nous allons faire les bottes de paille. On va y aller. Donc petite nouveauté, on a pris ce petit tracteur là qui fait partie du pack aussi. Et pour une fois, il y a un Géro dessus. Donc on va y aller. Donc il ressemble un peu à l'autre de farming. Comment officier quand on l'achète hein. Ça serait peut-être bien que tu dises le la marque et le modèle. Ouais, alors c'est Stulter 1500 TVL de un shooté, 110 un chevaux shooté. Ouais, un shooté, ouais. 150 chevaux, il va jusqu'à 110 km/h. Il va jusqu'à 110 km/h? Ouais, bien sûr. C'est ce qu'il y a décrit hein. Non, c'est 110 kW, pardon. Ouais, donc c'est ça, c'est à mon avis, c'est la puissance. C'est une autre puissance. Mais il va pas à 110, hein. Un tracteur à la 110. Bon, ça. Hop là! Enfin, je vais plus vite que toi, du coup. Bah oui. Celui-là, on va s'en servir pour les grosses, grosses machines. Allez, go, on attaque. Bon, bah, quand tu veux, donc. Bah, je fais ce que je peux. Ouais. Donc, elle est plutôt assez sympa, sa machine. On aurait dû passer le raton d'Inner quand même. Wow, pas grave ça. Je passerai dans les coins que j'aurais oublié. Tu m'en as pas beaucoup, hein, c'est moi qui te le dis. Donc on commence déjà à voir le boudin qui sort. Pour moi, je sens encore un peu plus du terrain. Oh là, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'en as beaucoup oublié, faut que je recule aussi. Bon, au pire, t'as pas besoin de me suivre. Bah tu veux que je fasse quoi en attendant? Je sais pas. Un petit plan du paysage. Bon bah ça comme dit. Donc les montagnes on dirait du carton. Ah bon? On dirait non, j'ai mieux. On dirait des glaçons. Ouais, des montagnes de glaçons. Donc là je vois que elles vont commencer à sortir les bottes. Ouais, il y en a une. Elles sont toutes petites, hein, putain. Va les attraper, toi, avec Mais yahoo! Super, comment elles sont rangées. Oh là. Oh, c'est le bordel. Oh là, j'avais pas vu la petite, là. Oh la vache. Comment elles sont propulsées, mon pote. Oh oui, bah ça. Oh, ça y est, il m'a emmené. Bah, tu vois. Et je t'en ai mis une de plus. Bon, faut que je me replace à cause des bêtises. Donc les amis, bien sûr, on tourne bien sûr l'épisode de suite. Étant donné qu'on n'a pas encore notre dose de farming. Notre dose de farming. Et... Ah, j'ai cru que je buguais, mais non, je bug pas. Ah si, dans sa tête. Ouais. Tu le dis. Bah, c'est assez barrant commencer pour rester dans le temps quand même. Ouais. Bah c'était beaucoup moins compliqué que non. Ouais. Tu vois que maintenant tu dois t'en venir des tout ça mettre. Par contre tu vois la botte, tu rajoutes. Tu vois le tracteur, tu dois mettre une petite centaine de bottes pour que ça fasse l'attaque du tracteur. Ouais. La hauteur. Bon après bien sûr on va échanger les rôles hein, pour diversifier un peu la vidéo comme d'habitude. Ouais. Et j'aime pas que tu me colles au cul toi. Tu préfères que je te colle aux dents? Bon, les bottes elles se baladent dans la remorque. Dans le plateau. J'allais dire le plateau, mais c'est pas un plateau. Hop là, par contre t'as pas intérêt de passer trop vite parce qu'il l'accepte pas. Bien sûr on peut en mettre que 50 à 2 ans. Bah c'est déjà bien, j'ai envie de te le dire. Combien tu peux en mettre avec l'arcusin, je sais même pas. Avec l'arcusin, tu peux en mettre 18. Bah tu vois. Ouais mais là c'est des elles petites. Sont plus grosses, hein. Ouais. Tu divises sur le nombre de bordels et tout. Ouais effectivement. J'aimerais bien voir comment ça fait pour télécharger les balles. Surtout où tu sais qu'on va les mettre.
On va, bon, on va les mettre tout. Bah tu veux quoi? On va les mettre tout Ah, mais il y a un problème sur cette map, on n'y a pas pensé. Y'a quoi? Mais il n'y a rien pour vendre la paille. Non. C'est pas grave de toute façon. On va les stocker sur un gros silo et puis de toute façon on va faire de l'élevage. Ouais, on ira les vider dans un gros silo. Que je fais encore aller deux tracés puis après on échange. De tracer et moi je me tape le reste après. Donc bien entendu les amis, pour l'épisode dernier, comme vous avez vu, on a fait comment dire, un petit rétro, un petit rétro, on va dire, une petite avancée pour vous montrer comme quoi on a bien fait le champ avec l'ensileuse du pack. Ouais. Et on en a bien chié, j'en avais vraiment marre au début, quoi. Enfin, surtout à la fin. Et puis bah, là, le fait de changer un peu, bah. Finalement, ça fait pas. Je m'aperçois que j'ai pas ma dose de farming, voilà. J'ai ma dose d'ensileuse, mais j'ai pas ma dose de. Du reste. Oh. C'est vrai que je suis pas habitué à voir ça comme ça. Hein. Donc là, on va les rattraper là-bas parce que. Donc après, bien sûr, quand on va changer, même si j'ai pas plein, j'irai leur faire montrer comment vider. Voilà. Au pire, t'as qu'à le faire maintenant. On termine là, et puis vas-y. Hop là. Désolé de t'avoir touché. Ah, tu m'as touché, bon. Ouais, la roue gauche de la machine. Ouais, on va y aller. Arrive au bout là-bas. Ok, on lâche une petite dernière là. Et voilà, c'est replié. Et puis on y va. Hop là, le petit panneau, c'est pas grave. Je vais vous dire, c'est que un panneau. Ah non, non, tu le remets. Ah bah il est complètement sur le tracteur. Ouais, ah bah, il vient de tomber. Tu regarderas dans la vidéo. Ouais, parce que bien entendu, on regarde encore nos let's play, bien sûr. On les revisionne. Pour être sûr qu'on a fait du bon boulot. Voilà. Hop. Ok, je viens de me prendre la barrière. Oh, c'est assez plaisant quand même de travailler avec ça. Bah bon. Ouais. Ah bah, comparé aux petits, oui, c'est sûr. Je peux comprendre. Ah mais tiens, avec la remorque. Ah bon? Ouais. Voilà, je viens de sauter avec le dodan. Il y a un dodan? Bah oui, au niveau des silos. Des gros, ah, gros oui. Silos. Ah oui, oui. Bon, je vide ça dans le deuxième. Et là, ça va les défaire, tu sais, ça va les mettre un machin. Non, c'est pas possible. Ah, pas mal. La petite ouverture là, par contre, ça va être le bordel là, tout récupérer après. C'est moi qui vous le dis. On va jouer au foot. On va jouer au foot. Ouais. Allez, on va aller rejoindre le coco là-bas. Ouais,
Hop là, pas que j'aille trop ni trop vite, on va ralentir. On dirait une bêta hier. Je trouve aussi. C'est vrai, hein, putain. Et puis, vu comment t'as les portes qui s'ouvrent à l'arrière. Ouais. Hop là. Ah, désolé si je joue un peu sur le décor. Il y a mon panneau de tout à l'heure. Tu verras qu'il est collé sur la paroi droite du tracteur. Ouais. C'est assez marrant. Bon, après dire qu'on va avoir tout ça à faire, du coup ça va nous faire des boîtes, hein. Voilà, je ne bon, on reconnaît quand c'est Jojo qui moissonne. Pourquoi? Bah parce que c'est un bordel. Genre faut attendre que l'autre soit descendu dans le bord dans l'espèce de bétailière pour récupérer une autre botte. Ah mais ça m'arrange pas les affaires ça là. Bah parce qu'on s'est dedans. Bah voilà. De quoi? Moi j'ai une botte de coincé devant. Attends, j'arrivais, je vais te la décoincer. Non, non, t'inquiète, je vais la décoincer tout seul, mais. Oh la vache! En fait, quand t'accélères, eh ben, la botte de foie va prendre de la puissance. Oh. Je te jure. Comme bah, je te crois. Direct, je vais voir. Oh la vache! Ah bah, j'ai retombé! Allez hop là! Le moins, j'ai pas ce que c'est, je ne sais pas non plus. Bon, je pense que j'ai fait la moitié, donc je pense qu'on va échanger là. Ouais, attends, je rattrape juste mes petits oublis. Ouais. Je termine de ramasser ce que t'as fait. On va bien faire les bons 50 bottes là-dedans. Ouais. On est là-bas. Eh, la prochaine fois, on passe leur atout. Hein. Oh, il est jamais content, celui-là. C'est pour faire un petit peu de parole dans la vidéo, parce que là, il y a un gros blanc. Désolé. Non mais bon après ouf, ouf. Là c'est sûr que c'est pas très intéressant parce que on ramasse un petit peu les oublis quoi. Ah mais je peux mettre en vitesse 2, je savais pas. On va s'éclater un peu. Ouais, je sais, je suis fou. Mais bon, quand j'ennuie un petit peu,
On s'ennuie un petit peu. Donc Jojo, je sais pas si t'avais un sujet. Bah moi perso. Hop là, j'avais pas vu celle-là. Oui, puis elle va m'emmerder. T'avais un sujet ou quoi? Ouais. Vas-y, pour toi. Les amis, j'ai retrouvé des jeux dans mes placards. C'est en fouillant un petit peu l'autre jour. Je me suis dit que vous pourriez peut-être, voir quelques vidéos dessus. Donc il s'agit d'un jeu de moto. Donc il s'agit de Super Diecast Riding Challenge. C'est un jeu de moto de course. Donc on est sur une piste, hein, bien sûr. J'aurais aimé savoir si vous voulez avoir des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, soit sur la vidéo, soit sur Facebook ou autre, ou par email. Donc voilà, j'ai aussi de Assassin's Creed Libération HD, d'ailleurs, que j'ai oublié de faire le reste des let's play. Je n'ai pas eu le temps. Du coup voilà. Par contre, est-ce que tu peux descendre de ton ange? Merci. Donc voilà. Et voilà, toi tu me laisses la belle merde là. Et t'as commencé où là? Donc n'hésitez pas à commenter. Voilà. Activez pas sa balle, replier. Il faut pas que j'aille à 40 km/h avec, hein. Tu peux aller jusqu'à 20, tu mets en vitesse 2. Super. Ouais, c'est chaud. Non, mais avec le râteau des nuages, ça aurait été mieux. Oh. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Et moi? Ouais. Rien, j'attends. Bah, lance un sujet en attendant. Un sujet. Je tenais à m'excuser par rapport au let's play de South Park, le bâton de la vérité. Tout simplement parce que je ne le continuerai pas. Étant donné que déjà pour commencer l'histoire, au niveau de l'histoire j'étais un peu bloqué. Et plusieurs personnes m'ont déconseillé de faire ce jeu. Donc tout simplement par rapport au comment dire. On va dire que des choses sur la version PC sont non censurées. Donc si des personnes mineures regardent nos vidéos, je pense que je vais passer pour un vrai... Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc je fais ça pour les parents, je fais ça aussi pour les mineurs, donc il n'y aura pas de let's play. Désolé, j'en suis encore désolé pour ceux qui voulaient savoir la suite. Il suffit de regarder sur Internet, hein. Non, Jojo, tais-toi. et puis voilà, donc la raison du pourquoi je ne continuerai pas ce let's play, tout simplement. D'accord. Donc là t'es beau, t'as commencé à me faire chier. C'est pour les miennes, c'est les tiennes. Le tracteur il en a éjecté une tout à l'heure. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, déjà on va commencer par en prendre quelques-unes, là. Casse-toi. Oh, c'était juste. Ça a quand même touché, hein. C'est long à prendre quand même, hein. Ah bah oui. Et voilà, j'en ai encore une débloquée. Eh mais en plus tu fais que de me coller, hein. Oh, ça va. Ouf ouf. D'accord, donc je me demandais aussi pourquoi tu en postais plus de ce let's play. Ouais. Parce qu'on va dire aussi que, bon, pour savoir quel moment était non censuré, j'ai été voir un let's play, bien entendu, pour savoir quel moment. Et comme par hasard, je ne vous dirai pas le moment, parce que forcément, il y en a des petits malins qui vont dire, ouais, mais j'ai envie de voir. Ouais. Un conseil, si vous avez moins de 18 ans, que vous êtes mineur, si on vous dit que c'est interdit, c'est pour une bonne raison. Non, mais attends, Henri.
Parce que tu crois que même sur GTA 5, il y a écrit moins de Ouais, 18 je ans, mais sais. tu crois qu'il n'y en a pas qui. Non, mais c'est assez. Encore GTA 5, ça peut passer parce que t'as pas les images. Tandis que là, T'as qu'à voir, va dans les. non, mais tu, je te montrerai pourquoi, tu comprendras mieux, Ok. je pense. Mais je pense d'ailleurs à la santé mentale, on va dire, de nos abonnés. Et je n'ai pas envie d'avoir de retour entre guillemets de parents comme quoi Il gueule et tout. ils gueulent et tout simplement parce que leurs fils ont été ont vu ça ou ont été traumatisés peut-être par ça parce qu'en fin de compte c'est une connerie donc ça traumatise un peu j'ai envie de dire. T'as qu'à faire comme le joueur du grenier. Ouais mais enfin bon. Avec son faux bouton. Donc voilà. Donc Donc voilà. je préfère dire les raisons et que ça se passe. Faut que tout le monde comprenne bien que de continuer ce let's play et d'avoir des petits soucis, on va dire. T'en as combien de bottes là? 34. Puis ça commence à faire. Après, je vais aller te faire voir où c'est que j'ai posé les miennes. Ah bah je vais te suivre, ouais. Par contre, c'est dommage qu'on ne peut pas vider celles qui sont sur le tapis. Ou peut-être qu'on va replier. On verra bien. Donc voilà pour ces infos sur ce jeu. Le let's play de South Park, le bâton de la vérité. Parce que je vous cache pas que le jeu, moi-même, je l'ai fait entier. Alors, bon, bah, mon avis, moi, c'est que tout simplement, le jeu, pour avoir une meilleure histoire, j'ai envie de dire. T'en oublies un petit bout, Joujou. Ouais, je sais, c'est pour ça que je recule. Et puis, déjà, l'histoire n'est pas très intéressante. Vu que ce n'est point censuré, et vu ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne souhaite pas le montrer pour ne pas avoir de soucis, tout simplement. Ok. Parce que certaines personnes pourraient porter plainte, et je le comprends. Bon, tu vas croiser mon panneau par terre. Par contre, mon petit Jojo, tu roules, t'avances pas, toi. Tu fais le tour au moins du panneau. Il a roulé dessus. Ah bon? La Même pas mairie, fait gaffe. elle va gueuler. Bah écoute, l'État ils ont assez d'argent, hein, écoute. Ouais, jusqu'on leur donne. Et puis ils se plaignent que c'est la crise. En tant qu'agriculteur. Allez, hop là. Non, t'avances en descente. J'ai sauté tout à l'heure. Ah merde, j'ai perdu une balle. Non, bah, sont où les balles? Tu croyais vraiment que j'allais les mettre tout devant? Ouais, il y en a une qui bug en plus, super. Attends, avant de décharger. Vas-y, go. T'aurais peut-être pu reculer encore. Hein. Il est jamais content, sûr. Recule. Encore. Voilà. C'est nif ça. Bon bah voilà. Petit deuxième, enfin oui, petit deuxième épisode. Attends, reste où t'es. Je crois que je pouvais monter dans ton véhicule, je crois. Ah non. Ah bon? Ah non, c'est pas possible. Non mais ça Ouais, mais m'a tu. affiché un truc quand je suis passé à côté de toi. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc on va aller ranger les outils, bien entendu. En votre compagnie. Et je pense qu'on se laissera là, Joujou. Ouais.
Ouais, je passe à côté. Parce que le dosage il m'énerve. Fais attention, parce que. J'en doute être celle-là, donc du coup j'ai freiné, voilà. Faut le connaître, Jojo, faut le connaître. Donc bien sûr ce tracteur sur lequel je suis dessus, le shooter, voilà. C'est comme ça que je vais me repérer. Le shooter, nous l'utiliserons beaucoup moins que les autres. Tout simplement parce qu'il est un peu plus costaud et tout simplement parce qu'il est plus. Il est plus. Bon bah c'est pas grave, ça l'aura replacé. Il est un peu plus. Déjà par sa puissance et puis il est moins vieux que. Ouais, en gros on va juste l'utiliser pour les gros trucs comme comme la remorque pour les balles. Voilà. Mais le plus là là. Bah, c'est ce que je comptais faire. Vas-y, vas-y, regarde, vas-y, recule. Tu vois que tu me pousses. Ah ouais, hé, tu me coinces là. Allez hop, terminé. Oh, il est bien rangé. Donc bah les amis. Là c'est net. Il a un peu de travers. Oh, c'est grave. Bon les amis, voilà ce qui clôture l'épisode, le deuxième épisode de ce let's play sur les vieilles grilles agricoles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis d'ici là, bah portez-vous bien. Partagez à fond cette vidéo, likez, commentez, n'hésitez pas, et puis surtout vive les jeux vidéo. Allez, ciao tout le monde.